Boker Tov le Koulam, Boker Tov à tous, Shavua Tov. Nous sommes Parashat Vayeshev. Yaakov Avinu, après la rencontre de Esav, après le fait qu'il est parti à Beth-El pour sacrifier, il s'installe en Eretz Israël. Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megure Aviv, Eretz Kenan, il va voir son papa. Rashi nous dit, Bikesh Yaakov Lishev Beshalva. Yaakov avait nous cherché la sérénité, le calme dans la Avodat Hashem. Et Parashat Vayeshev, c'est le plus grand scandale, la famille qui est menacée, la famille de Yaakov avait nous. Dans notre Parasha, on a l'histoire des frères qui détestent Yosef, qui sont jaloux, une jalousie dans la famille, dans les enfants. Les frères qui prennent Yosef, qui le vendent en esclavage. Et Yosef arrive en Égypte. Les épreuves de Yosef, la femme de Potiphar, le deuil de Yaakov Avinu. En fait, c'est la plus grande menace sur la famille de Yaakov. Voyez chez Yaakov, Be'eretz Megure Aviv, Be'eretz Kenan. Yaakov Avinu s'installe, Eretz Kenan. Rashi nous dit, Bikesh Yaakov Lishev Beshalva. Yaakov voulait rester en sérénité. Kafat Salav Rogzo chez Yosef, a commencé les problèmes de Yosef Hatzadik. Pourquoi Yosef? Il y a une différence entre Rashi et le Midrash. Rashi nous dit que quand le tzaddik, il veut la sérénité, il veut le calme, Kadosh Baruch Hu dit, est-ce que ça ne suffit pas au tzaddik ce qu'il a dans le Olam Haba, il veut aussi avoir un Olam Hazé? Tout de suite, il lui a amené l'histoire de Yosef. Le Midrash nous dit que c'est pas Kadosh Baruch Hu qui dit, c'est le Satan. Kadosh Baruch Hu, pour lui, pourquoi pas que le tzaddik, il ait une sérénité, pourquoi pas? Le Satan, il est jaloux du tzaddik. C'est-à-dire que dans ce monde, le Satan ne veut pas laisser au tzaddik un moment de répit. Kafat alav rumbuzo chez Yosef. Quelque chose que tu n'as pas pensé, il vient, il te tombe dessus. Il faut savoir, dans ce monde, il ne peut pas y avoir de répit. Il y a des gens qui cherchent la sérénité dans ce monde. On ne peut pas avoir. On ne connaît pas un homme dans le monde qui n'a pas de soucis. Il n'y a pas un homme qui vit sans soucis, ça n'existe pas. L'homme, les gens, ils regardent toujours les autres en pensant, regarde sa vie, comment sa vie est calme, et la mienne, comment elle est, elle va de là à là, elle est perturbée. Mais en réalité, chacun dans sa vie, il a son paquet. Quand les gens veulent la vie des autres, ils ne veulent pas prendre leurs problèmes, ils veulent prendre que leur bonheur. Quand j'étais enfant, j'avais entendu une histoire sur un des grands généraux qui accompagnait Napoléon dans toutes ses guerres. Et Napoléon voulait le récompenser. Napoléon a demandé de lui construire un petit château. Et ils lui ont construit un château magnifique. Donc il a fait une grande fête, il a invité tous ses amis. Et il voyait, il y avait un de ses amis d'enfance qui est rentré au château et qui était émerveillé par le château, et il voyait la jalousie dans les yeux de son ami. Il voyait comment il parlait avec sa femme. Imagine-toi, tu vois ce qu'il lui a construit, il lui a donné ça et ça et ça et ça. Il ne pouvait plus cacher sa jalousie. Et donc le général qui vient chez lui, il lui dit, tu sais, tu aimes le château? Il dit, bien sûr, j'aime. Tu aurais voulu avoir un château comme ça? Il dit, oui. Il dit, écoute-moi, je suis prêt à te donner le château. Une petite condition. Il dit, quoi? Il dit, regarde, tu vas en bas, il y a une cour de 500 mètres carrés. Tu descends dans la cour, et moi, je me mets au premier étage avec ma carabine. Je prends 50 balles et j'essaye de viser sur toi en bas. Si
n'as pas été tué avec les 50 balles, tu prends le château. Il dit pas du tout, mais tu, il dit, moi, j'ai passé bien plus que ça pour avoir ce château. C'est-à-dire que quoi? Parce que l'homme, il regarde toujours, toute sa vie, le mal et le bien de l'homme, il est toujours par rapport à son entourage. Quand il voit son voisin qui est bien, donc lui, il est mal. Je dis, si lui, il est bien plus que moi, donc moi, je suis mal par rapport à lui. Donc, toujours dans sa vie, sa sérénité qu'il cherche, c'est par rapport à d'autres, c'est même pas par rapport à soi. Chacun, il a sa propre vie. Chacun, il a le tikkun et le destin qu'un Kadosh Baruch Hu lui a donné à traverser dans sa vie. Bikesh Yaakov, il chef Beshalva. Yaakov, lui, il voulait une sérénité. Laquelle? La sérénité de qui? Quelle sérénité tu as cherché? Kafat alav rugzo chez Yosef. Les histoires avec Yosef ont commencé. C'est pas qu'un Kadosh Baruch Hu a puni Yaakov parce qu'il a cherché une sérénité. C'est pas une punition et pour ça, c'est arrivé l'histoire de Yosef parce qu'il a demandé une sérénité. Non, Kafat alav rugzo chez Yosef, Akadosh Baruch Hu a voulu lui montrer que chacun il a besoin de lutter de sa manière. Il n'y a pas, c'est pas nous qu'on décide qu'est-ce qui va se passer avec nous dans la vie. Chacun il a son destin, chacun il a sa vie. Et le but c'est de savoir lutter, c'est de savoir lutter, c'est de savoir vivre avec. Rabbin, moi j'ai dit toujours, c'est pas un médicament qui va nous guérir de tous les problèmes. Dans son étude, il va nous aider à traverser ce qu'on doit traverser avec simcha, avec foi dans la chaîne. Il n'y a personne qui t'a dit que si tu vas étudier la Torah, tu seras épargné des problèmes. Tu réagiras autrement devant les problèmes. Tu auras un autre comportement dans ta vie. David Amelech dit Loulet Torah Trash Arashwaï Avaz Tiberani. Si ta Torah ne m'amusait pas, ne me donnait pas une joie, je serais perdu dans mon malheur et dans mes épreuves. La Torah, elle vient nous donner des forces pour pouvoir lutter. Chacun, il a cette sarotte. Il ne faut jamais demander le sort d'autres personnes, jamais. Jamais dire, j'aurais voulu être comme celui-là. Tu ne sais pas ce qui passe. Tu ne sais pas s'il n'a pas des maladies, s'il n'a pas des problèmes. Tu le vois dehors, souriant. Ça ne veut rien dire. Tu ne sais pas ce qu'un homme passe dans sa vie personnelle. Qu'est-ce que je veux expliquer à Yaakov Avinu? Qu'il faut savoir vivre au moment où je suis, essayer de vivre le plus possible. Quand quelqu'un, il espère quelque chose, il perd son réel. Parce que il veut une chose qui n'est pas là en ce moment. Donc il est là-bas, il n'est pas dans sa vie, il est en train de perdre son présent. Kafat alav rugzo chez Yosef. Yosef est tzadik. Toute son histoire dans sa vie, toute sa souffrance de Yosef est liée à ses rêves. Ses rêves lui ont amené une jalousie. Yosef, il raconte à ses frères une histoire qui n'est pas là aujourd'hui, qui va se passer au futur. C'est vrai, il avait raison dans son rêve. Il avait raison. Alors il est où? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Yosef? Il est à l'école pour lui. Hein? Il aurait peut-être pas dû leur dire. Il n'aurait pas dû leur dire, il a fait. Il n'aurait rien vu pour lui. Qu'est-ce que ça lui a fait? Il avait dit mettre un bras aussi, le fait qu'il est. Mais la jalousie qui s'est faite contre Yosef. Qui était engendrée à cause de ça. C'est quoi? C'était lié à ses rêves, comme ils ont dit. Hine ba'ala halomot azé. Voilà, est arrivé le rêveur. Viens, on le jettera dans le puits, on va le tuer, on verra qu'est-ce qui va se passer de ses rêves. C'est-à-dire que Yosef, avec le fait qu'il a raconté son histoire, justement, il a amené le mal à ses frères. Mais cette histoire de Yosef, elle est venue quelque part. D'où ça commence? Ça a commencé de Yaakov. Quand tu as des problèmes chez les enfants, il faut savoir que toujours les problèmes commencent des parents. La Gemara dit, toute phrase qu'un enfant dit dans la rue, c'est ou de son père ou de sa mère.
Alors regardez, l'histoire de Yosef HaTzadik, on va prendre un point. Le rêve de Yosef, d'où il vient le rêve de Yosef? Le rêve de Yosef, il vient parce qu'il y a Yaakov Avinu, il dit, je suis pas content de ma vie, je veux m'installer, je veux avoir une sérénité, je veux avoir quelque chose que je ne suis pas là. Résultat, et les Toledot, Yaakov Yosef. Ce que Yaakov a pensé, Yosef l'a fait sentir de sa bouche. Il rêve un rêve. Yosef, un enfant orphelin, d'accord? Sa maman est morte. Il s'occupe de son petit frère Binyamin. Et il se retrouve avec tous ses frères, que eux, ils ont une mère, ils ont une famille, tout est complet, tout est bon chez eux. Yosef, il se dit, moi je ne suis pas comme eux. Il faut que je trouve une sérénité, il faut que je trouve quelque chose mieux qu'eux encore. Donc il raconte ses rêves. Les frères, eux, ils sont bien, il va leur dire qu'il est mieux qu'eux. Ils sont jaloux. Vous voyez comment une chose déclenche une autre chose. Ça commence du père, Bikéji Akov, du chef de Shalva. Et c'est pour ça que Rashi dit au début de la paracha avec Yosef, Bikesh Yaakov Lishev Beshalva, Kafat Alavombur chez Yosef. Le tzaddik, il ne se pose pas la question, qu'est-ce qui va se passer demain? Toute l'histoire de la manne pour un Israël, c'était le tikkun quelque part du rêve de ne pas rêver. La manne, l'épreuve de la manne, c'est le pain de la Emouna. Tu vas tout manger aujourd'hui, tu vas ne rien laisser pour demain. Tu ne penses pas du demain, tu penses que au jour d'aujourd'hui. Tu exploites ta journée de ton mieux. Tu ne rêves pas à demain, ça sera mieux. Non, tu n'as pas besoin de ça. Pense de ta journée. Essaye de remplir ta journée le plus possible que tu peux. Ça, c'est la tahlit de la avodat Hashem. Yaakov Avinu, quand il dit « Bikesh Yaakov Bishem Beshalva », il ne vit plus le moment. Il ne vit plus le moment. Son fils, c'est pareil, ça deviendra pareil. Et les Toledot Yaakov, Yosef, tout ce qui se passe avec Yaakov se reproduit avec Yosef. Par contre, avec Yaakov Avinu, s'il pouvait lutter, Yosef n'était pas capable de lutter. Et c'est pour ça que Yosef s'est fait le ventre. Et c'est pour ça qu'on a eu la galoute de Mitzrayim. Tout suite à cette histoire. On nous montre là une base dans la Avodat Hashem. Sois content. Regarde les choses comme ils sont. Ou que Hakadosh Baruch Hu t'a mis, c'est ton épreuve de la journée. C'est ça ta mission. C'est ça ce que tu dois faire. Et ça, Bezrat Hashem, on va voir demain quand on va parler des, on va voir des rêves. C'est quoi les rêves? D'où une notion du rêve, elle arrive. La Gemara dit qu'un rêve, on va parler de ça demain, il exprime toujours quelque chose qu'il y a en toi. Et c'est pour ça d'ailleurs que les frères, quand Yosef leur a raconté les rêves, il leur a dit, j'ai vu les étoiles et la lune et le soleil qui se prosternent à moi. Ensuite, il a dit, j'ai vu les gens qui se prosternent à moi, ils lui ont dit, ah, Amalor Timnor Halen, tu veux nous régner? Ils ont dit, le rêve, il vient de quoi? Il vient d'une envie. Tu as une envie de nous dominer. C'est pour ça que tu as rêvé. Et donc, ils sont remplis de haine contre lui. Le rêve, il signifie toujours quelque chose qui est en toi. Si tu rêves de Kdoucha, tu as de la Kdoucha en toi. Si quelqu'un y rêve d'une Touma, c'est-à-dire qu'il doit se gérer. Il a besoin de faire un tikkun sur la Touma qui est dans son cœur, autrement il n'aurait pas rêvé. Le rêve, toujours, il est lié à nos pensées. Et voilà, donc Bezrat Hashem, qu'on se mette toujours, qu'on se concentre dans la journée, comme il dit Rabbeinu, Hayom, 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 regarde que aujourd'hui, essaye de vivre ta journée du mieux, le jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui, il faut vivre le mieux. Kadosh Baruch Hu m'a mis dans une épreuve, comment je vis cette épreuve de la meilleure manière que je peux vivre. Je ne vais pas essayer maintenant de penser sur le demain, je vais profiter d'aujourd'hui. Hashem Yebezrenu Bezrat Hashem, qu'on se concentre dans le Hayom, Hayomim Bekolot Ishmaou, Niskeh Le Geoula Shlema, Bekarov, Amen.